Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans les Teddy Vlogs. Aujourd'hui, on va se diriger à Toata pour aller filmer en fait ma petite soeur qui va faire en fait sa danse avec Mako Foster. Si vous la connaissez, c'est avec elle que ma soeur s'entraîne pour la danse tahitienne. C'est également dans son groupe que j'avais participé, Oheiva et Tamariki Poerani. Là, on est prêt et on se prépare pour aller et je vous emmène avec moi. Oh. Voilà les amis, on vient tout juste d'arriver à Toata. Donc là, y a Mako qui est là avec ma soeur. Ils sont en train de voir en fait l'endroit où on va tourner la chorégraphie pour elle. Non, on va voir ce que ça donne. Ok, fait. D'accord. Sinon, le dernier délai, c'est lundi. Oui. Hein, de bien faire. Donc si à la salle, ça ne gêne pas, on va faire comment ça. Okay. Si à la salle, on plaît, ça ne gêne pas avec le coaching, Alors les amis, petit changement de programme, on se situe à la salle de Tamariki Poerani juste en ville parce qu'en fait là-bas à Toata il y avait énormément de vent, donc du coup on n'a pas pu faire la vidéo là-bas parce que les ailes de Hemiti ça partait en cacahuète. Là ça va, il y a moins de vent. En fait le souci c'est que ces ailes sont tellement grandes qu'elles vont toucher le plafond là, mais on va essayer quand même de faire quelque chose. En fait la vidéo on doit l'envoyer à Hong Kong pour qu'il valide etc. Et puis donc voilà, et moi je vais m'entraîner aussi un peu en attendant. La rencontre, si tu poses des questions par rapport à ton costume, tu diras bien que le marron représente la terre, le rouge la force. Tu mets bien, tu expliques bien ce que représente chaque chose. Okay. Pour que tu puisses parler de quelque chose de ton costume, et puis le rouge, c'est plutôt les éléments avec toi. Hein, c'est-à-dire vouloir entendre l'histoire, où tu viens, le Tahiti, qu'est-ce qu'on a à Tahiti. Il faut vraiment que tu mets en place tout. Les valeurs. Parce que bien de la musique, il y a les tribales, les sons des tambours, des vivos, tout ça, ça fait partie de notre culture. Vas-y. Qu'il y ait unité dans la diversité. Voir les nombreux chemins qui mènent tous au centre, à moi. Chacun différent et pourtant chacun conduisant dans la même direction. Plus ils approchent du centre, plus l'unité est grande, jusqu'à ce que tout fasse en un avec moi et qu'il n'y ait plus diversité mais unité complète. Tu verras cela se faire de plus en plus avec les nombreux centres de lumière partout dans le monde. Comme la situation du monde devient plus sombre et empire, ils deviendront de plus en plus lumineux, jusque la lumière vainque toutes les ténèbres. Il est bon d'avoir une image plus large de ce qui est en train de se produire, mais il est aussi très important de réaliser que tout commence en toi. Prends conscience que ce qui se passe en chaque individu ressort dans le monde et se reflète dans la situation mondiale. C'est pourquoi la paix du cœur et de l'esprit est si essentielle en toi, et pourquoi l'harmonie, la compréhension et l'amour profond devraient couler entre toi et tous les autres. Voilà, c'est la pensée d'aujourd'hui, ça. Hein? C'est joli le début. Ouais, ouais, mais non, mais c'est tout en toi, hein? Et c'est bien dit, c'est tout en toi. Et tous les jours, il y a une pensée. Tous les jours, il y a une pensée. Donc celui-là, elle est pour toi. Merci. Allez. Oh, non, mais... C'est bon, t'es prête, là? On dirait que je suis toute... Mais non, attends, oh, on va faire un petit unboxing. Unboxing quoi? Ah oui, bah je vais aller chercher. Tu m'attends, là, je reviens. Oh, te vois. Je sais pas du tout pourquoi il m'appelle. Et qu'est-ce qu'on va faire? Surprise! Où il est parti? Moi je sais pas de quoi parler. Hein. Coco! Moi je suis une gentille fille, j'attends sagement. Voilà, me revoilà!
Donc voilà les amis, en fait j'ai fait venir ma petite soeur, donc vous la connaissez tous, Hamity Time. Je mettrai son Instagram juste là, voilà. Allez vous abonner à son Instagram. Donc en fait voilà, je t'ai appelé parce que je voulais te faire un unboxing. Alors, les amis qui sont derrière la caméra, vous avez vu le vlog d'hier. Si vous n'avez pas vu, ben, n'oubliez pas d'aller voir. On est parti voir en fait Orama Owen. Oh. À Punaoya. Donc en fait ben, les abonnés ils savent parce qu'ils ont vu, je les emmenais avec moi. Ils savent plus de choses que moi. Oui. Et en fait c'est une surprise parce qu'en fait elle a pas vu le vlog d'hier parce que c'est rare qu'elle regarde les vlogs. Genre. Donc du coup elle aura pas vu ce qu'on a fait là-bas. Orama nous a gentiment prêté des bijoux qu'on va pouvoir porter. Et comme je sais en ce moment t'es beaucoup stressé ou quoi que ce soit, ben ça va peut-être te faire plaisir. Et de toute façon je suis sûr que ça va te faire plaisir. Donc. À qui ça ne ferait pas plaisir? Ah bah oui, surtout c'est magnifique. Alors t'es prête? Allez. Alors le premier... En plus c'est lui qui ouvre. Attends, ferme les yeux finalement. Ferme les yeux. Attends. Voilà, ferme les yeux. Attendez. Voilà la boîte. D'abord je vais lui montrer ça. Voilà, je vais lui montrer d'abord ça. Attends, je vais lui cacher comme ça. T'es prête? Vas-y. Alors j'ouvre la boîte. Ouais. Oh, des bracelets! Tiens, essaye. Ah, c'est trop stylé. Ouais. Ouais, en plus, c'était difficile, on savait pas tant ta taille de poignet. Ben non, c'est perfect. Voilà. C'est fait pour moi. Voilà. Donc, en fait, voilà. J'aimais bien celui-là, mais finalement, celui-là sobre et tout, c'est joli. Celui-là c'est ça. Sobre. Le prochain cadeau, vas-y, ferme les yeux. Tadadada. J'ai retrouvé la boîte. Oh non, j'ai bientôt plus de batterie. Alors, deuxième cadeau, les amis, je vous montre. Un petit ferme les yeux, je vous montre. Voilà, c'est ça. Allez. Prête, 1, 2, 3, oups, j'ai mis à l'envers, ce sont des boucles d'oreilles. Oh my god, j'ai essayé. Allez, elles sont énormes, c'est la première fois que j'ai porté des... Bah oui, on avait dit on veut quelque chose d'énorme. Ouais, c'est sûr que là, on va bien voir. En plus, il y a des reflets rouges en fait, c'est pour ta robe rouge. Voilà. Yeah, c'est quand même joli. Regarde, attends, tu te vois. Ça fait trop bizarre. Attends, il y a le focus sur toi. Je sais pas. Attends, je vais mettre le focus sur toi. Voilà. En plus, avec les cheveux noirs, comme ça, ça permet de... Elle a dit, il faut surtout pas teinter tes cheveux. Hein. Ah oui, les amis, on avait un gros deal à vous faire. En fait, il y a ma soeur ici présente qui veut se teinter les cheveux soit en bleu ou en rouge pour l'élection. Mais Non, pas pour l'élection, après. Ah, après l'élection. Ouais, oui. Mais ouais, pour l'élection, garde tes cheveux noirs. Bah oui, évidemment. Ok. Alors, et ensuite, t'es prête? Ferme les yeux. Attends, où est ma boîte? Non, c'est bon, j'ai une boîte. Non, mais c'est pour me cacher. Voilà, t'es prête? Attends. Je vous montre, les amis, la pièce maîtresse. Hop. Voilà. Voilà, les amis, la pièce maîtresse. T'es prête, Amity? C'est bon. Allez. 1, 2 et 3. Oh my goodness. Il y a les perles et tout. Mais jusqu'à la fermeture. Ouais. En nacre. Mais t'as vu les perles? Oh my god! Oh, j'oserais pas porter ça! Non, mais c'est trop beau, hein! Merci, Orama! Allez, tu veux tester? Je vais te faire essayer. Hop! Tes cheveux. Alors? Je suis ornée de nacre et de perles. C'est joli! Ça fait bling bling! Ça va bien! Ça n'est pas su pour la robe rouge, c'est à voir. C'est pour voir si c'est pas trop chargé en fait. Comme en fait sa robe rouge, bah, vous avez vu dans le vlog précédent et tout, ça, on a peur que ça fasse trop chargé. Mais je pense qu'avec la robe blanche, ça je sais pas si je vous ai filmé, ouais. Tu vois, parce que quand t'as un bustier blanc, en fait c'est hyper rare qu'elle porte des bijoux en fait, ma soeur. Hein. C'est clair. Ah, c'est tout froid. Donc, t'imagines, magnifique cette parure. C'est joli. Ça fait trop bizarre pour moi de porter ça. C'est... Moi je suis habituée à mon petit jade. Ouais. Et ma montre n'est plus là. Non mais c'est trop beau, mais ça change carrément. Et ouais, vu que mes robes seront plus décolletées, enfin il y a rien quoi au-dessus, bah, ça me rassure un peu de porter quelque chose qui me couvre un peu et les boucles d'oreilles, waouh. Je vais m'habituer, hein, c'est pas bien ça, Coco, tu devras m'en offrir. Ouais.
Mais voilà, ça en fait, c'est pas des bijoux qu'elle a portés tous les jours et tout. C'est vraiment pour le défilé parce que je crois qu'il y a un passage en tenue traditionnelle. Voilà. Donc, ouais, il faut pas que j'emmène quelque chose de la Polynésie quand même. Il faut que ça pète parce qu'à Hong Kong. Ah oui, ça, ce sera voyant là. À Hong Kong, ils adorent les perles, je crois. Oui. Donc, voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, de liker, un énorme pouce bleu et de nous laisser aussi un petit commentaire. Voilà. Encouragez Raymiti, mettez-moi plein d'encouragement. On aura hâte de vous lire. Sur ce, les amis, je vous fais de très très gros bisous. Et il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Maururu, Nana, et à bientôt.